Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 99e épisode de Station Ears, saison 2 en coop sur Europe. Et aujourd'hui, on continue à avancer dans notre ferme en faisant du code. Allez, en route. Arrêtez de m'accuser de tous les maux de la terre. Ah, mais elle est là, elle est dans l'armoire. Elle est dans l'armoire avec les lingots. Voilà. Ah, bah j'arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout dans l'armoire avec les lingots plus gros. Je veux des excuses. Ça devrait rester dans l'armoire avec les peintures. Sabdam. Je suis désolé, mais c'est quand même de ta faute. T'avais qu'à bien ranger, Sabdam. Ranger vos Sabdam. Ah oui, à un moment donné. Ah bah du coup, il y avait deux peintures noires. D'accord. Oui, il y en a une qui est pas à moi. Ah bah c'est la mienne. Je crois que j'en avais fait une fois, quand je trouvais moi, pas la peinture. Moi, j'en ai quelques-unes sur moi aussi que j'avais fait. Ouais, j'ai une rouge et une blanche, je crois. Il y a une support et deux noirs qui m'avaient disparu, moi. Je l'ai mis dans l'armoire où il y avait la ceinture. Ok. Il y en a un, il y a quand même dans les traders, il y en a un qui est balèze, tu sais, là, qui a un genre de vaisseau un peu. Le gros avion, c'est le plus gros. Non, il y en a un que c'est pas l'avion, mais tu sais, il y en a un qui est en hauteur, là, tu sais, qui est un peu genre. Qui est pas un avion. Ouais, mais je crois que 3 frames de haut suffisaient largement. Ouais, pour celui-là, oui, pour l'avion, je suis d'accord, ouais. Et dans tous les cas, ça te fait 4 frames. De haut à l'intérieur. Ouais, je crois que c'est 4, ouais. 3 à l'intérieur. Ou 4. Ouais. À l'intérieur, parce que il faut prendre en compte que tu as la frame d'accroche de ta porte, de tes trucs de porte. Oui. Et attends, parce qu'après, il y en a un autre. Mais moi, j'avais fait juste 3 d'ouverture et c'est tout, pas besoin de plus. Non, t'en as, ouais, c'est ça, t'en as bien un qui est super en hauteur là. Mais je sais pas s'il y a encore du coup celui-là. Là, je regarde une vidéo de 2023 là. Shot. Liquid Rad. Non, j'aurais dû taper autre chose. Expand. Il en a fini il y a 2 mois là. Sinon, un truc qu'on peut faire, je pensais là, pour l'histoire de la température de la pièce, il faut qu'on fasse pousser plus de trucs. Comme oui, ça, aussi, ça ouais. Va chauffer la pièce. Bah, carrément, oui. Bah, t'inquiète, je m'apprête à faire ça. Hein. Mais c'est pas dans la pièce où on vit du coup. Si, mais j'ai une liaison. On va se faire partager. Ouais, j'ai une liaison. Bah, à la rigueur, ça, ouais. C'est bien. Parfait. Qui est coupable? On peut sectionner la liaison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est coupable. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est son crime? Eh bien, une liaison. Une liaison dangereuse. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont cons, quoi, ici. Ah, c'est extendable. Colporteur utilise 2 rangées de portes l'une au-dessus de l'autre pour que tous les vaisseaux puissent entrer. Ouais, c'est bien ça, il y en a bien une plus grand, il y en a un qui est plus grand, qui est vachement haut en hauteur. C'est peut-être 4 de haut le plus gros. Oui, donc au final tu mets 2 portes de 2x2, ouverture par en haut et par en bas, et puis basta. Hein. On a pas besoin de mettre des 3x3, tu peux. Là j'en vois, il y en a un, il rentre. Attends, il fait combien de haut lui, il a mis. Parce qu'il y en a qui est tout en hauteur. Tu sais qu'il y a des réacteurs genre qui bougent, tu sais, là, qui tournent là au bout là. Et celui-là, quand il arrive. Il a combien de hauteur lui? Frame du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas s'il fait pas les 6. Hein. Je m'en rappelle plus. Je vais
le refroidissement au volatile, là, on a quand même 10 kmol de volatile qui est stocké dans le dans l'ice crusher. À 113 mégapascal. C'est pas beaucoup. On est vraiment cinglé. Non, c'est que dalle. Non, il y a juste une section de tuyau de 10 litres derrière. Non, mais c'est rien. Tu ouvres. C'est léger, hein. Ça en lâche un peu, mais ça craint pas. On avait dit qu'on ne touchait pas. On avait dit qu'il fallait pas toucher, sinon c'était la mort. Non. Si on touche, ça pète. Tout pète. En plus, vous avez du volatile. Ouais, ça dame 6 de hauteur. La dernière fois, on t'a interdit. Non, je vais toucher, moi. Comme ça, au moins, ça met un peu de dynamisme dans le... dans la construction. Alors, New Trader, New Trader, il n'y a pas eu assez de dynamisme la dernière fois. Ouais, j'ai regardé une vidéo, pareil, il y a un mec, là, il y a un truc qui est un peu haut. Alors, il fait peut-être pas 6, mais 5 frames de haut. Il y en a un qui est très en hauteur, tu sais, avec des réacteurs sur les côtés qui peuvent tourner, là. Oui. Par contre, c'était 7 par 7, la max, la base. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, je l'ai traité sur 9, donc du coup, on va... C'est pas grave, à la rigueur, on va faire... Les plus gros, c'est 9 par 9, mais c'est les avions. Ah ouais, du coup. Ah bah alors, j'avais vu 9 par 9, parce que j'ai regardé ce truc. Bon, bah, on reste sur 9 par 9, les avions, les plus gros. Du coup, il faut la piste d'atterrissage avec. Ouais, mais ça, on la mettra, du coup, ça va être bon. Où on va jusqu'à cette hauteur-là et on... Alors, attends, ouais, je regarde un truc. Ah, super, on a la lumière, on a assez de profondeur dans la montagne. Ça dépassera un peu derrière, mais ça se verra pas, à la rigueur, au pire. Mais on rajoutera de la matière. Non, mais on s'en fout, à la rigueur, derrière, on verra pas. Mais au pire, on rajoutera de la matière. Si tu veux, si ça t'amuse. Ouais, ouais, ça m'amuse. Alors, donc là, du coup, Sabdam, tu es en train de nous expliquer qu'après le stade de foot de Herschel sur Mimas, tu es en train de nous faire l'aéroport Marseille-Provence. Non, Orly. Alors, l'aéroport de Nice, 2 minutes d'arrêt. Aéroport de Nice. À la rigueur, regarde, Sabdam, on va mettre les portes ici. Sinon, après, ça va quand même faire sacrément profond. Hein. J'ai deux. Je suis chiant quand même de creuser. Pourquoi j'ai ça là? Qu'est-ce qu'il y a ça, ouais. Ouais, c'est quand même chiant de creuser aussi quoi. Parce que là déjà, il va quand même faire une belle creusade. Hein, là. Belle creusade? Ouais, oui, c'est. Mais oui, derrière. Français, tout ça, parle bien la France toi. Va falloir se faire une creusiflette quand même assez pas mal là quand même. Hein. Une creusiflette? Ouais. Tu connais pas une creusiflette? Creusiflette? C'est bon les creusiflettes. C'est trop bon une creusiflette. J'en mange au petit déj. Putain, c'est une hérésie donc. De pas beaucoup bosser après. Ça n'existe pas la creusiflette. Tu une invention pour les Parisiens. Si tu veux, mais c'est trop bon. Mais moi, c'est pas là qui me l'a. On me l'a pas inventé là. Hein. Moi, c'est dans le. L'Isère. Hein. Ouais, c'est une invention pour des Parisiens. À la base, tu fais un. Mais c'est quand même trop bon. Hein. C'est mais comme la raclette. Hein. Oui, mais c'est une invention. C'est-à-dire que t'as transformé un gratin de crozet en croziflette. D'abord, les crozets, c'est pas l'Isère, c'est la Tarentaise. C'est que la Tarentaise. Oui. Tu sortais de la Tarentaise il y a 30 ans, personne ne connaissait les crozets. Ouais. Mais c'est trop bon les crozets. Alors, pour faire un bon gratin de crozets, vous avez besoin d'abord de préparer une petite fondue de poireaux. Quand votre fondue de poireaux est toute comme il faut, vous faites cuire vos crozets comme des pâtes, hein, pour qu'elles soient al dente. Et puis, vous mélangez tout ça et vous mettez au four. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus. Allez, Maïté, tu nous fais un bon petit plat. Un petit peu de Beaufort par-dessus pour que ça gratine, et puis c'est tout. Bon. Pas besoin d'en rajouter des trucs. Et il faut y aller généreusement. N'hésitez pas sur le beurre. N'hésitez pas sur la crème. Il n'y a ni beurre ni crème. C'est léger. C'est juste du fromage. C'est juste le fromage. T'inquiète, ça rendra assez gras. Un peu de Beaufort avec, histoire que ça gratine. Pas plus d'un kilo pour un gratin de crozet. Pour une personne. Pour une personne. Pas plus d'un kilo par personne. Tu peux le faire avec ça. Ça marche avec du reblochon aussi, si tu veux. C'est pas mal aussi. Et non, mais du reblochon. Ah, du tout. Du reblochon. Et le reblochon, c'est de votre Savoie. Mais il faut innover. Oh là là. En Tarentaise, c'est du Beaufort. Avec du comté, il y a un autre. Certes, pas du certes. Tout. Le comté, c'est. Et du comté, mais pas du tout. Mais bah, absolument pas. Mais. En coup, un bon comté, un bon comté. Mais non. Une saucisse de Morcourt. Ou une belle cocoyette. Non, avec de la cancoyette. Avec de la cancoyette. Avec la saucisse de Montbéliard. Je peux vous dire que c'est une tuerie, ça.
Bah ouais, mais... moi aussi, tu vois. Et nous, on respecte les standards. Mais ça s'appelle une cocoyote. Vous respectez les standards. Tu meurs de ton cholestérol, c'est ça. C'est voilà, par contre, il n'y a pas de cholestérol dans le cocoyote. Il n'y en a surtout pas, au contraire. Pour le cocoyote, c'est hyper léger, maintenant. C'est, mais c'est super bon la cancoyotte. Attends, tu prends de la cancoyotte nature peut-être. Oui, prends de la cancoyotte à l'ail. C'est meilleur. Oui, je sais, mais c'est ce que prenaient mes grands-parents quand j'allais en Corrèze. Mais la Corrèze, c'est pas le pays de la cancoyotte. Je sais très bien. Mais non, alors, c'est vrai. Ça, pour moi, c'était c'est de là-bas. C'est hérésie. Le mec, il veut c'est mettre de... Le mec du Robinchon, de Savoie, dans un gratin de Crozet, et il prend de la cancoyotte de Corrèze. Ah, j'ai pas dit qu'elle était de Corrèze, j'ai dit c'est quoi, j'allais voir mes grands-parents en Corrèze. Je connaissais, je mangeais de la cancoyotte. Oui, mais en même temps, t'as dû manger de la cancoyotte. De la cancoyotte, cancoyotte plutôt, parce que c'est cancoyotte. Cancoyotte. La cancoyotte. La cancoyotte de Reflet de France qui est dégueulasse. Donc en même temps. Non, c'est pas de la Reflet de France, non. Non, alors c'était du Aldi, c'est pareil. Ça n'existait pas à l'époque quand ils achetaient ça, désolé. Non, mais c'est vrai, en plus, ça n'existait pas avant. Non, mais t'avais les... y a que la cancoyotte de Franche-Comté qui est bonne. Tout le reste, c'est dégueulasse. La cancoyotte, de toute façon, c'est de Franche-Comté. T'as pas le choix. Non, après, on va dire... celle de Reflet de France, j'ai des doutes, hein, parce qu'elle est vraiment... Reflet de France, théoriquement, elles sont faites au... des bons trucs, hein, normalement. Ah ben là, ça vaut mieux. Elles sont faites aux bons endroits, mais avec les budgets nécessaires pour que ça soit vendable pas cher. Voilà. C'est ça. C'est d'une de... Attention, tu vas te cogner. C'est super bon à gerber, là, Reflet. Pas de problème. Surtout, ne pas acheter la cancoyotte Reflet. Éventuellement de la poirée, de... D'accord, ça va, d'accord. La meilleure. Okay. C'est bon, je crois qu'on a ces trois marques, là. Ça y est. Non, mais c'est pour ça que le mieux, c'est d'aller chez votre petit fromager, qui est un petit producteur, qui est bon. Et pas d'acheter un industriel. Voilà. Dans tous les cas. T'énerve pas. Je suis contre l'alimentation industrielle. Elle est rue de la fromagerie. Et... alors j'ai besoin d'une boucle Harvest. Non, t'as dit que j'ai besoin de creuset. Creuset de Beaufort. Pas de creuset, on n'est pas dans Vintage Story. Hein. Et de poireaux. Et donnez-moi vous excusez dans le chat, nous avons complètement dérivé. J'ai besoin d'une. Ouais. Le jour où on dérivera pas. J'ai besoin d'une boucle. Bon, des portes. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Les jours où c'est plutôt calme, c'est quand il manque soit Nico, soit cette dame. C'est pas souvent quand même. Hein. Ça arrivait une fois, il y en a manqué un des deux. Oui, c'était et tu sais calme. Pourquoi on parce qu'on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble. On faisait chacun des trucs de notre côté. Et du coup, c'est tout calme. Donc en fait, si je le surveille ou que je suis avec lui, c'est foutu. Boucle. Alors le jour où on fait du bateau, hein, il faudra qu'on fasse attention. Sinon, ça a dérivé. Est-ce que j'ai besoin de vous ce que le compost à part de la boucle Harvest? Dis, tu pourrais me pas interroger vraiment en noir, s'il te plaît, de me les poser non. En ligne. Du coup. On s'en fout, on les voit pas les frames. Tu le mets dans la main droite et tu le mets. Prends tes stocks de pommes noires dans la main droite. J'en ai pas, ouais. J'en ai plus. Salut XK. du coup, les portes. Pénitentiaire. Bon, ben, Pécaps. Y a plus qu'à voir si ça fait le boulot ou pas. On poster ça. Ça fait quoi si je fais ça? Est-ce que le temps s'est arrêté pour vous? Oui. Non, je déconne. Non, ça marche pas. Tu peux faire pause si tu veux, mais ça marchera pas sur serveur. Ça va, j'ai le droit de me poser la question. C'est tenté. Ça marche sur Factorio. Si tu mets en pause, ça met en pause le serveur et les autres sont coinés après. J'ai eu le cas avec Atemir qui m'a rejoint une fois et j'avais mis en pause le temps que j'étais pas là. Il s'est retrouvé comme un con tout seul. Bah bravo.
C'est ballot, ça. Pas sympa pour les copains. Vu qu'en ce moment, il faut que je produise plein de conneries pour agrandir la plateforme, ben je laisse tourner, même quand je suis pas devant l'écran. Et voilà. Donc, il me faut 54 portes. Ouh, je vais y passer du métal. On appelle le producteur de métal. Oh, mais il y a des stocks, je m'en tape. De style, il y en a assez? Oh, il y en a plein. Ok. Il doit y en avoir au moins 3 kilos minimum. Parce qu'il m'en faut 25 par morceau de porte. Si j'ai bien calculé. J'ai besoin de faire je sais plus comment on utilise les haches. Eh ben, tu la plantes dans l'arbre. J'ai pas de bio déjà. Oui. C'est H en majuscule, parenthèse et crochet. Enfin, parenthèse et guillemets, double. Il a osé. Bah, oui, personne n'a réagi. Si, j'ai dit que j'avais pas de bio. Ah, pardon. Oui. La bio de bois, par contre. On lui coupe la tête. Composteur. Ah ouais. Il est temps que Twitch me prévienne que le stream a commencé. Ah bah. C'est pour que tu le saches. J'ai 1,35 kg il va me falloir. Qu'est-ce que c'est ça? Plus tout ce qu'il faudra le reste, donc les 3 kilos, c'est bon, oui. H avec le H majuscule. Et ensuite, c'est double côte ou simple côte? Tout en majuscule. Tout en majuscule. Tout en majuscule. Le mot H. Et double côte. Ça marche pas avec les simples côtes déjà? Non, ça marche pas avec les simples. Non. Ça, c'est double. Et merci Colporteur. Et merci XK. Et la côte de bœuf, elle arrive quand? Ouais. Côte. C'est une côte de bœuf, ça... Ouais, la double côte, pas besoin. C'est 11 la piste qu'il faut de long. Oh, je sais plus. Je crois que je faisais toujours au moins 2 cases de plus. Mais j'ai un doute sur la longueur. Je crois que je faisais au moins 13, moi. Au moins, j'ai dit. Ouf. Tu vois, tu vois, en grand. On peut... On va faire un... Load batch name. Oh putain, je peux y arriver. Composteur. R1. Non, le batch name R. Oui. R2. Composteur. R2. Longueur piste 20. Du début jusqu'au centre. Jusqu'au centre? Oui. C'est-à-dire que tu comptes ton pad aussi? Jusqu'au centre du pad. Ok. Mais tu peux faire 20 jusqu'au début du pad, comme ça t'es tranquille. Ouais. Oui, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Pour éviter R1. Les accidents. Ça dépend. Ça dépend si déjà, de toute façon, il me faut 72 pads déjà. Parce que j'en ai fait que 10. Oui, t'en fais chier. Pas d'index. Ouais, 72. Parce que j'en ai déjà 10 de fait quand même. Moi, je reviens. Ou pas. Hop, basic pad. Merci, il reviendra. 1 gramme. Je reviendrai. Kill. Ça revient. Ouais. C'est fait de tout petit rien. Ouais, merde. Que c'est bête, que c'est bête, que c'est bête, que c'est bête. Comment tu parles de ça, madame? Elle le rue va se faire avoir avec le DMCA.
Ouais, arrêtez vos conneries. Arrête. Est-ce que je peux kicker Nico du serveur? Ouais, mais c'est Greg, il m'a lancé avec son truc et là je suis dans la. Du coup, je chante derrière. On va dire que. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Là, ça devrait le faire avec ça. C'est bon, celle-là, c'est pour ça. C'est la mauvaise. Ah non, ça doit plus y être, ça, normalement. Match. Non, c'est pas correct, à mon avis. On s'en fout. Moi, je suis désolé, c'est le match name. Je suis au bureau, au téléphone avec le pote. Et là, il me dit, attends, je reviens. Et à chaque fois, je lui sors, à chaque fois. R1. Bah, ouais. Ah bah oui, c'est obligé. Et il va livrer, il fait, bah vas-y. Je reviens, bah ça s'en active. Va. Activate. Bon, du tu coup, sors. Nico. Oui. La petite passive inlet que t'avais foutu. Oui, c'est pour vérifier la température de l'autre côté, ouais. Je l'ai ra... Non, du tout. On va faire un stat raccordé à mon petit circuit equal. Qui servi à enlever l'eau, le gaz. R2, 3. Et du coup... Ça fait quoi, du coup? Ça fait de la vapeur. Stat equal. Ben, il récupère de l'eau dans l'atmosphère de la base. Ouais. Ainsi que du gaz. R3. Oui. Cette ah eau. Oui, celle-là, non, ok. End. Ça, c'est pas... Oui, ouais. R2, R3. Est envoyé avec le gaz dans le circuit. Ouais. L'eau reste liquide. Et refiltrée, et tu la repasses dedans. Oh, c'est... En gros, on va le faire gaz... un. Merde, j'ai plus d'oxygène. Non ah, ah, oui, je suis sorti sans combi, moi, dehors. Bravo. J'ai un petit peu frisqué. Hop, attends. Ah, c'est meilleur. Et c'est vrai que maintenant, avec ça, c'est un peu galère, tu te fais vite avoir. Hein. Problème. On va faire un move. Light, quoi, c'est qui prend tout. R1. Mon pot 2. C'est-à-dire que lui, il faut que je le déplace avant. Eh ben, c'est pour dire que j'ai besoin de mon petit comprimé, mais moi j'ai mon truc rouge là qui est resté, non? D'ailleurs, on en a des comprimés? Je sais pas, ouais, on doit en avoir, je crois. Sinon, on peut faire pousser du ferme. Ah, il faut du ferme pour... Oh. Ouais. Donc, je passe à... Compo 2 et alors non, je passe pas à compo 2 tout de suite. Je regarde branch net branch i wall 0 de R2 branch relative des deux. Je bouge de 2 parce que là je vais pouvoir faire un set batch name. Composteur R1. Non, je suis bête. Activate 1. Oh purée. On fait un branch. Not equal si il a fallu un deuxième R1 hydroponique, ça c'est cool. Un branch not equal si R1 est différent de compo 1 à et R1, sinon move R1 compo 2 et un J compost loop. Et si on déplace l'hydroponique, qu'on en met deux ou trois dans... Ferme les cobalt pour les comprimer, confirme colporteur. Dans l'espèce de petite... Oui, j'ai trouvé. L'espèce de petite cuisine. Batchner. Si on fout des hydroponiques donc, en plein milieu, et puis voilà. Je mets les deux de mes composteurs. Ouais, oh, la rigueur, ouais. On s'emmerde pas. Un seul, c'est trop juste. Ouais. Si on en avait au moins trois, moi je m'en fous, je bouffe pas. Du coup, je sais plus ce que j'ai mis. Il y avait zut! J'ai un config et j'ai pas de. Il y avait une puce qui gérait de mémoire l'allumage de. L'allumage de quoi? De l'hydroponique. Ah, je sais pas, j'ai jamais utilisé moi le truc tout intégré.
On a une plus qui allume toute seule notre hydroponique en dessous, ouais. Mais je pense qu'elle est pas en batch, hein. Elle doit être en direct. Donc il faudrait modifier le code pour passer par du batch. Enfin, je m'en fiche. Détail. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est pas comme si c'était compliqué de passer en batch. Oui, mais il faut quand même que tu modifies le code. Ouf. Compliqué ça. Oui. C'est pas comme si j'avais cru comprendre que tu voulais t'en passer. Qu'est-ce que je suis venu chercher, moi? Et vu qu'il n'y a pas de code en dessous, j'ai peur que le code soit dans celui du chauffage en même temps. Peut-être oui. Il y a plein de trucs sur celui-là, je crois. Hein, pas de conneries. Qu'est-ce que tu veux faire comme code, Greg? Si tu veux un coup de main... Bah, C'est juste le code pour gérer l'hydroponique. C'est tout. Je suis en train de réfléchir pour mettre des hydroponiques dans la nouvelle cuisine. Mmh. Et là, je vais en construire quelques-uns. On n'a pas des hydroponiques qui traînent. À la place des champignons? Non, les champignons, ils sont très bien où ils sont. Tu parles d'un hydroponique intégré comme mon ami, ou tu parles de... Oui, oui. La station. Ouais, on en a aucun, ouais. On n'en a aucun, ouais. On n'en a pas d'avance. Je pensais en mettre quelques-uns là où il y a les champignons, en quelque sorte. Dans cette pièce-là. Ouais, dans la même pièce. Ah, tu pourras en mettre déjà un deuxième à côté de son pote. Oui. Regarde. Non, je peux pas. Non, il y a trop de trucs qui passent autour. Il y a le tuyau de... Un tuyau de... Ah, oui. Gestion de la température, t'as... C'était pas faux. Des câbles, enfin, c'est... Celui-là, il vaut mieux pas y toucher. Blindé. C'est ça, ouais, voilà. J'ai dit hydrogène, je suis désolé, ce n'est pas de l'hydrogène, c'est du volatile. Oui, parce que l'hydrogène arrive, hein, attention. Il y a quelque chose, en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose. C'est pour ça que je le dis. Faut qu'on arrête de dire hydrogène par habitude, parce que c'est vrai qu'il y aura vraiment de l'hydrogène, et ça sera différent, et on sait pas dans quelle mesure. Même si tu regardes dans Stationpedia, la glace volatile donne quoi? De l'hydrogène. Donc, je pense que la traduction française doit peut-être pas être au top, j'en sais rien. Faut pas savoir. Ah, difficile merde. À dire. Hydroponique, s'il vous plaît. Messieurs, est-ce qu'il y a un truc à faire particulier dans la base? Oui, il faut creuser ici. Ouais, moi je suis pas très bon pour creuser. À la rigueur, juste regarder si moi les machines que je, les trucs que je suis en train de lancer là pour les landings et les portes, s'il y a toujours assez de trucs. Bien, il y a 4 portes de hangar qui sont sorties et ouais, 20 kits de landing. Je crois ouais. Qu'il y a plus. Mais du coup, je sais pas, ça produit encore, il y a assez de matière dedans? Non, c'est arrêté. Merde. T'as besoin de lancer quoi? J'en sais rien. Bah en fait ça les relance ou pas du coup s'il n'y avait pas assez de matière? Non. T'as merde. Besoin de quoi? J'ai un hydroponique qui va ici. Je sais pas ce que j'ai déjà posé, faut que je recompte avec ce que j'ai. J'ai déjà... Alors attends. Je crois qu'il n'y avait plus d'acier. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mais il y en a dans les armoires, hein, mais... Oui. Ouais, j'en mettrai. Faut que j'aille fondre du nickel, moi. Et je sais plus, parce que attends, je suis perdu dans ce que je fais, là. Non. Bah je fais pas fondre, alors c'est bon. Parce que, alors attends... Pourquoi je vois pas tout sur le circuit? Qu'est-ce que j'ai foutu? Une connerie. Ah bah ça. De la scie, ouais. Je vois composteur 2, mais je vois pas composteur 1. Ah, rip, manque un fil. Donc tu l'as mal renommé. Mais je pense bien l'avoir bien renommé. Il a brûlé. Tu les as nommés tous les deux au même nom. Je suis atterri. Tiens, Nico. Merci. Ça, genre de colle. Ouais. T'as du cuivre extra. Attention, décollage non autorisé. Si j'ai du cuivre. Thierry a vu. Attends, je regarde si j'en ai dehors. Il y en a un mec qui était en train de fondre tout à l'heure. Je t'en amène. Oh, c'est pour remettre au stock parce qu'il y en a. Ouais, bah je priorise le cuivre. Il y en a. Ouais. T'avais pas installé ton système pour rechercher dans la vending comme t'avais mis sur notre partie? Non. Non, parce que celle-là, il faut tout vider de toute façon. Donc. Ah merde.
Ah, je peux l'enlever, on n'a plus besoin. Et cette IC, c'est quoi cette IC? Bonne question. De mémoire, sur le système qui gère la... l'air de la base, j'avais mis de quoi enlever le polluant. Ça, ça va nous manger. Beaucoup de questions. Ah merde, par contre, j'ai pas sauté les frames. Toujours la touche. Est-ce que je me fais tellement de bidouilles, mon pauvre frame. Enfoiré, il va pas me laisser passer à travers une porte démontée? Ah si. Composteur 1, composteur 2, ils sont bien nommés. L'enfoiré. Oh, dis donc. Ah pardon, on dit pas un enfoiré, on dit une manette perdue. Ça va où ça? Ah oui, ça va là-haut. Ouais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.